Merci de nous rejoindre à cette édition d'information sur la RTSK. Madame, Monsieur, bonsoir. Le haut représentant du président Moïse Katumbi dans la région du Grand Kivu, M. Salomon Escadela, vient de boucler une tournée de 10 jours dans le nord et sud Kivu. Aujourd'hui, nous vous proposons les étapes d'Uvira et Baraka. Le reportage porte la signature de James Katambwa. Dans le Grand Kivu, sa juridiction, les hauts représentants du président Moïse Katumbi ne cessent de marquer de points, étape après étape. La ville d'Uvira, dans le sud Kivu, a été conquise ce mercredi 5 avril 2023 par Salomon Escadela. Les très mauvais états de la route et même l'effondrement du pont Kanyunda, isolant Uvira du reste de la province, n'ont pas eu raison de la perspicacité du spécial Salomon Kalunda Edidela, qui s'est paré des bottes pour franchir à pied la rivière. À l'entrée d'Uvira, Salomon Escadela s'est résolu, malgré la présence de la dame pluie, de descendre sa jeep pour faire la marche à pied avec les milliers de militants et sympathisants du parti Ensemble pour la République venir l'accueillir. Plusieurs kilomètres sont avalés par les spéciales et le marée humaine qui l'accompagnait. L'esplanade de la paroisse de la ville d'Uvira est le point de chute choisi pour la communication du haut représentant du président Moïse Katumbi dans le Grand Kivu. Un seul grand message du spécial Salomon Escadela aux militants d'Ensemble pour la République venus l'écouter. S'enrôler massivement et utiliser sa carte d'électeur avec efficience pour ne plus refaire les erreurs d'il y a 5 ans. Dans l'échange qui s'en est suivi, la question de la fameuse proposition de loi Tchani a été relevée et Salomon Escadela a préféré laisser la population d'Uvira trancher. Boka ya président Moïse Katumbi Chapwe, Joy Naacha, biko na tafuta namna yote asikwe candidat. Sasa basikie bien. Batoto ya Uvira, mnasema nini juu ya ile loi? Le message du président Moïse Katumbi est bien arrivé à Uvira par l'entremise de son haut représentant dans le Grand Kivu, Salomon Escadela. Et aussi, le son des cloches des habitants d'Uvira n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Uvira conquis, il était question pour les hauts représentants du président Moïse Katumbi dans la région du Grand Kivu, des gens de Baraka, principale ville du territoire des Fizi, toujours dans le sud Kivu. Aucune route praticable ne permet de parcourir les 89 km qui séparent Uvira et Baraka. Ne reculant devant aucun obstacle, Salomon Escadela décide de passer par les lacs Tanganyika pour atteindre Baraka. Lui et sa délégation embarquent donc ce jeudi 6 avril 2023 à bord d'une navette au port d'Uvira. Après 4 heures, les spéciales Salomon Kalunda Edidela arrivent à Baraka. La Fédération d'Ensemble pour la République, territoire des Fizi, n'a pas fait dans le détail pour réserver un accueil chaleureux à l'émissaire du chairman Moïse Katumbi. Avec enthousiasme et ferveur, les habitants de Baraka accompagnent leur hôte de marque et toute sa délégation sur la grande place de Baraka, les prévus pour son allocution.
Comme partout au Nord Kivu et au Sud Kivu, les Barakalais ont dit non à la fameuse loi Tchani et espèrent ardemment accueillir le président Moïse Katumbi dans leur territoire. C'est l'espoir des lendemains meilleurs pour leur contrée. Au terme de la quatrième étape de sa tournée dans les Grands Kivu, Salomon Escadela a repris sa navette pour regagner Uvira et poursuivre son marathon. Dans le but de la poursuite de la campagne d'adhésion porte à porte au sein du parti Ensemble pour la République, le coordonnateur urbain en charge de la jeunesse du parti de Moïse Katumbi dans la ville de Kindu a sensibilisé les femmes de l'association Umoja wa Mama Ninguvu ce lundi 10 mars 2023. Docteur Florent Abeli a été invité à la cité par les femmes de cette association pour leur parler de valeurs incarnées par Moïse Katumbi à travers son haut représentant dans la région du Grand Kivu. Ce jeune médecin spécialiste en chirurgie n'est pas allé par le dos de la cuillère pour vanter les qualités de Salomon Escadela qui ne vise que le développement du Maniema. Toutes les femmes de cette association ont pris leur adhésion au parti et elles ont promis d'accompagner les partis ensemble jusqu'aux échéances électorales de décembre prochain. Munapasha kusema nani mwenye munapenda kesho aweze kuongoza mwingine. Na kama munaikala juu tu kunasikia wengine wanasema sisi hatutaenda kujarole parce que bitu tunaona makarte tu iko mubaya, bitu aiendeke hivi na hivi, hatutaenda. Il faut mwende. Parce que kama mukuenda mutaachia wale wenye abaongozi mungini mzuri baendelee kuongoza mungini gisi banapenda. Mukamate karte mwende mutajarole, mukamate karte enu. Mie mama ni hile maneno yuko nanishangaza. Leo Moïse Katumbi anakuwa nazala michoko ya kusema atupende ya kusile kupresidentiel. Mbona aliishi miaka mingi kwa gouverneur Katanga hapa kumkatala na maevra alikuwa anafanya balikuwa anaipenda. Leo anakuwa sasa kamate presidentiel anakuwa namkatala. Mbona bangimsutenire pour que afanye bia zaidi kwa rapport yenyewe alikuwa anafanya kule Katanga. Message kani kwa bana. République muzima. Operation Manyema en général et Kindu en particulier napenda tu badi kunge pamoja pour que tu soutenir et tout Moïse Katumbi choko pour que afanye bia zaidi pour République démocratique du Congo. On a le droit faire province, on a le droit faire bia qu'est-ce que ça pour République? Si on a fait bia zaidi, maendeleo ya zaidi. Tu juge pas moi d'abord maman, mtoto wetu ule, hapana le kuzala zala michoko ya kusema haiko kongole. Mbona shi mama mangu tulimzala ba kongole? Bakuje tu juge pas moi tumchague mtoto wetu. Hapa tunapatikana kwa quartier Obeta commune Likele. Hii adhesion yangu inamaanisha kwa mtu mwenyewe napenda kujiadere kwake na niko napenda nivote kwa huyu mtu njo inamaanisha nibebe hii adhesion kumkono kwa sababu napenda hii adhesion ya huyu Moïse Katumbi. Sie ba mama tunakatala kama ile loi inatoka kule kwenye mbo viko naitie ile loi kule kwa chani. Isie ba mama tutatembea hapa buchi kwa sababu tunakatala, tunapenda mtu wa maendeleo mwenye atakia kutuendelezea Kongo yetu. Hatupende tena ile maneno ya mbo kutuimpoze, tunakatala. Mesaje nye tabambia benjangu banamuke ya kusema tukwe dinamike. Tusimame sivote imara kwa sababu tumusutenire mtoto wetu. Sie ba mama ndio tulimzala nani Moïse Katumbi. Inafaa tumusutenire, tumuoneshe ya kama si ba mama njo tulimzala kwa sababu mwenye alimzala ni mwanamke na iko na damu ya si ba mama.
Le chef d'état-major général de FARDC a bouclé sa mission au Nord Kivu ce mardi 11 avril 2023, peu avant de s'envoler. Le lieutenant général Christian Chiwewe a rendu visite aux blessés de guerre au camp militaire de Katindo et s'est imprégné de la réparation du Sukhoi 25 à l'aéroport international de Goma. Fin ce mardi 11 avril 2023 de la mission d'évaluation des opérations par le chef d'état-major général des FARDC au Nord Kivu. Avant de quitter Goma, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha a rendu visite aux militaires blessés de guerre internés à l'hôpital militaire régional de Goma au camp Katindo où il leur a transmis le message de compassion et de réconfort du commandant suprême de l'armée congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi, roho yake iko kwenu. Parce que moi je m'appique à vita, na kama mko hivi ni juu ya vita. Ndio mon général. La instruction qui anesha kuleta ni kumiapuye. Kumiapuye non pas kumiacha hivi. Mimi shitalala takwa toujours na mikumbuka kila wakati. Merci à fan. Vile mimi na kaka njo paka vile tutaendelea parce que soin yote iko gratuit. Merci à Fan. Donc à pas nasema ndo kauze kama ni dawa wapi hapana. Peu après, son cortège a pris la direction de l'aéroport international de Goma où le chef de l'armée congolaise est allé se rendre compte de la réparation effective de l'avion de chasse endommagé récemment, réparé avec le concours de l'expertise congolaise, comme l'a expliqué le pilote Ben Tena Tena de l'armée de l'air. Voilà, vous avez un avion réparé sur cet hangar. Oui, c'est comment? Sans ordinateur, avec nos propres moyens de bord. Si on pouvait envoyer cet avion à l'usine, ça pouvait nous prendre 6 mois avec des sommes technologiques. Mais à l'espace d'une semaine, que la bénédiction du commandant opération Kivu, 3 jours cet avion revient. Donc nous les Congolais ne sommes pas moins. Il suffit un coup de pouce, nous allons faire mieux que ce que nous pensons de petits diables. Ça c'est très bien. Le parcours de la mission du chef d'état-major général est expliqué ici par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, Guillaume Djike. Je voulais savoir que c'est lui le patron des armées. À ce titre-là, il a visité non seulement les troupes qui sont engagées dans les opérations, mais aussi il était très important pour l'autorité de venir voir, n'est-ce pas, la force aérienne. Rappelons que durant tout son séjour, le commandant en chef de l'armée était accompagné par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima et bien d'autres commandants de grandes unités. Le Forum pour la paix et la cohésion sociale annoncé à Bunia, à l'intention de toutes les communautés de l'Ituri, constitue un espoir pour la stabilisation et le développement à côté du travail abattu par l'administration militaire dans cette partie du pays, ont reconnu certaines notabilités de l'Ituri. Ce forum est une initiative de la présidence de la République démocratique du Congo. Leurs avis à travers ces reportages. La table ronde pour la paix et la cohésion sociale réunissant toutes les communautés de l'Ituri initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est diversement commentée. Dans cette province, la communauté EMA estime outre le rôle de l'État d'imposer la sécurité. Ce forum est un cadre de change entre frères. L'État congolais doit imposer la paix. Une fois la paix imposée, alors maintenant on peut faire appel à certaines messes pour parfaire les tissus sociaux qui ont été déchirés. La paix n'a pas un prix. Tout le monde a besoin de cette denrée rare. Du côté de la communauté Lindou, il est temps que les groupes armés saisissent cette opportunité pour cesser avec les hostilités. Les éléments des groupes armés animés de bonne foi puissent venir et commencer à déposer les armes. Car c'est seulement ces actes symboliques de remise d'armes qui vont commencer à rassurer les communautés à pouvoir croire à la volonté des groupes armés à mettre fin aux hostilités en Ituri. Même point de vue émis par le collectif des femmes de l'Ituri. Pour nous, nous femmes, nous pensons que c'est une dernière stratégie pour qu'on arrive à chercher la vraie solution. Nous voulons que cette paix-là soit effective et pour que les déplacés rentrent dans leurs villages respectifs.
Pour sa part, le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanga Chomon Johnny, encourage ce genre d'initiative de paix en appui aux efforts de l'administration militaire. Maintenant, le chemin, c'est vers le dialogue intercommunautaire, où maintenant nous allons parler de nos problèmes. Qu'est-ce que je ne suis pas content de quoi ? Quelles sont mes revendications par rapport à telle communauté ou à telle autre communauté ? Nous allons aussi permettre aux groupes armés d'être parmi eux, ensemble, entre eux, je veux dire, pour qu'eux aussi se parlent, de sorte que finalement nous ayons la paix. C'est Mgr Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, qui a été désigné officiellement par le garant de la nation pour l'organisation de ces assises, annoncé pour bientôt en Ituri, dont l'objectif est la paix, le développement et la concorde sociale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Bonne soirée.